Black River, c'est un circuit piétonnier d'environ 4 km qui sillonne les rues de la ville puis qui nous amène à différents lieux où il y a des œuvres urbaines, murales, faites. Ça embellit la ville, ça démocratise l'art aussi. C'est le fun de voir de l'art autrement que dans un musée, donc qui est accessible au quotidien. Les gens, autant mes amis Facebook le voyaient, ils disaient « Hey, c'est le fun ce que vous avez fait, vous avez participé, donc tu participes à embellir la ville. » Ça, c'est intéressant, ça donne une petite fierté. En étant coin Grande-Île, c'est très passant, puis on a plein de beaux commentaires, comme quoi que c'est beau ce qu'on fait, que ça l'embellit leur journée, même les résidents de la rue ici, les gens aiment beaucoup ça. Les citoyens qui viennent nous parler sont tout le temps gentils, ouverts, puis en même temps, c'est la communication au travers les différentes générations, parce qu'il y a autant des enfants que des personnes âgées que des adultes moyens, on va dire, là, qui vont venir rentrer en contact avec nous. Fait que ça crée une ouverture, justement, puis un dialogue avec les citoyens, puis des fois des gens qui se parleraient peut-être pas, mais au travers des projets, bien, ils vont créer des liens, puis après ça, quand ils se revoient dans la rue, bien, ils vont pas juger comment. Ils vont avoir justement plus de compréhension envers l'autre. Le PRAC est important parce que il nous amène, nous, les artistes, à sortir de notre coquille, puis ils amènent la famille et les gens, tout le monde autour, de tout partager ça. Ils nous amènent ensemble. Puis s'ils ne seraient pas là, ça ne sera pas possible.